Alors, nous sommes ici hein, au cimetière communal de Saint-Pathus. Nous sommes avec Thierry qui est le petit frère de Colin. Quand, quand tu vois Thierry, cette masse, cette liesse populaire derrière, alors d'abord dimanche pour la veillée à Pierrefitte, ouais. Et puis aujourd'hui dans l'église donc, de Oiserie, ça laisse quoi comme impression? Ben, impression là, René, là, c'est que travail la fête. Ouais.
Et ça a prouvé que la communauté antillaise là nous solidaire, bien, malgré ça certains m'ont dit, mais nous solidaire. Et que le travail là, qu'on l'a fait là, la preuve là, là. Ouais. Avec les gens qui étaient à l'église là et les gens qui étaient en veille là dimanche. Alors toi qui fais partie donc, de cette fratrie des serins, parle-nous un petit peu donc, de Colin, parle-nous de ton frère. Parce que pour les gens comme ça, c'est que ça en est exceptionnel quand même. Oui, c'est un net exceptionnel et en quelque sorte, c'est un bouc qui était ouvert à tout le monde. Ouais. Ouais. Il partait là pour garder connaissance, il était là pour partager connaissance là. Et c'est pour ça que là, nous avons retrouvé nous avec autant de monde. Et dès là, nous avons dit que la lumière a éclairé sur nous et que le travail là, il commençait là, qu'a continué. Et qu'il a continué, que ce soit avec les enfants, les petits-enfants, les amis, et tout le monde qui était à l'entourage. Alors, vous avez grandi à Baïf. Oui, Baïf. Zotné Baïf. Combien de frères et sœurs? Parle-nous un petit peu alors, donc de la famille. Alors, nous nombreux parce que papa nous fait Timoun avec plusieurs monde. Ouais. D'accord. Moi, en ces derniers garçons, à papa moi. D'accord. Colin levé au bout. D'accord, au bout Baïf, à l'entrée de Baïf. Et moi, en tout cas, resté en bout là même. C'est vrai que c'est grand frère moi, mais souvenir quand il y a eu même, c'est là qu'il est venu en vacances. Parce que moi, arrivé en France assez tard. Et souvenir là, c'est que là qu'il est descendu en vacances. En tout cas, il y a des fois comme ça. Mais c'est vrai que échange en tant que jeune petit bougavey en panier, en l'échange. Ouais, ouais. En tout cas, ni en héritage qu'il est séparé, bon, c'est que c'est un bouc qui était aimé par les créoles, c'est un bouc qui était aimé défendre tradition, il était aimé parler de Guadeloupe. Ouais. Et nous croyons qu'il est sans bel héritage bon parce qu'au Kabanoui, au Banoui, en créole. Et oui. Ça, c'est ça que Colin a aussi cherché à faire passer comme message. C'est que nous sommes un peuple solidaire et nous sommes en langue qui a créé la langue créole. Il faut nous défendre. Il faut nous défendre. Même si nous n'y disons pas la Makéi, parce que moi personnellement, en n'y disant pas la Makéi, je ne peux pas parler. Et en tellement capable que là où on apprend français, là, quand on dit au pays, c'est coup de roche en cavrier. Chaque monde a mis Kassayon tête à yon en capable d'avancer. En créole, l'empire à l'aise. Alors, Jodla, c'est alors, sans jouer triste, puisque ouais. Colin sera inhumé dans quelques instants. Il a quitté nous. Il reposera désormais en paix donc, dans ce cimetière communal de Saint-Patrice. Là, il était qu'à vivre, hein, mm-hmm. Donc à rappeler. Mais malgré tout, on sent que voilà, il a laissé quelque chose de vivant et on voit que tout le monde est content. Oui. Ouais. Oui, oui. Non mais ou quoi vrai que travail là il fait là moun là quand on lit jod là. D'accord, parce que souvent il va dire que là au vivant ou pas nous reconnaissons ça à moun, mais jod là que li mort, il était bon, il était déjà ni reconnaissance là. De grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre notre Dieu.
Dieu, bénédiction du ciel godin, ou qu'à voyager mes amis. Yélélé, yélélé, lala. Yélélé, yélélé, lala. Colla, oh, ou j'a voyager, oh, bénédiction du ciel godin. J'ai voyagé. On a un petit mot pour le dernier. Mon ami, tu es parti si tôt, sûrement trop tôt, mais je suis persuadé que tu es dans un meilleur endroit. Tu nous as fait comprendre que la vie ici-bas était bien peu de choses. Je me rends compte que nous avons des mots pour une peine légère, mais les grandes douleurs n'ont pas de mots. J'ai été heureux de partager une partie de ta vie, de travailler avec toi humblement, car tu avais une grande humilité. Je me souviendrai toujours de nos invités du dimanche soir dans le bouillon culturel. Quel bel échange et plaisir. Il restera de toi ce que tu m'as donné et offert. Je te remercie de tous ces bons moments. Je fais un hommage également à ta famille, à tes enfants, à ta femme. La famille ne se détruit pas, elle se transforme. Je sais que tu es en paix maintenant. Tu vas beaucoup me manquer, tu vas beaucoup nous manquer. Voilà, je suis donc martiniquaise, d'origine, née en Martinique, pardon. Je m'appelle donc Lucienne Jean-Marie, comme il disait lui-même tous les jours, chaque soir, il m'appelait Lucienne Jean-Marie, il fallait qu'il donnait le prénom et le nom. C'est un monsieur que j'ai connu à l'âge de 19 ans. 19 ans, pourquoi 19 ans? Parce qu'il était, il faisait son service militaire en Martinique. Et il y avait eu un accident qui s'était produit, il faisait partie des blessés. Donc, nous, évidemment, la télé, les infos, enfin, France Antilles, etc., demandaient aux gens qui pouvaient venir aider les gens qui n'avaient donc pas de parents arrivés immédiatement sur la Martinique. Et ce qu'a fait ma mère, c'est de nous donner, mon frère et moi, nous a donné des sacs de serviettes de toilette, de trousses de toilette, enfin, les nécessaires possibles. Et depuis ça, Colin, il n'en s'est jamais quitté. Ce qui nous a fait le plus plaisir, surtout à ma mère, qui est partie maintenant déjà depuis quelques années, c'est de voir qu'il était revenu avec son père pour remercier ma mère du service rendu. Et nous étions très fiers de cela, nous étions très contents. Colin, il y a un de ses amis qui est là, qui était militaire avec lui d'ailleurs, puisqu'il était, il avait été nommé sergent. Donc je connais bien son histoire sur cela, sur la Martinique. Et on a passé, depuis ça, on a passé des moments extraordinaires et formidables. Alors je dis à Colin aujourd'hui, ainsi qu'à sa famille, prends courage, prends force, la mort c'est pareil. D'accord? Et quittez-nous pour un moment, mais nous gagnons. Voilà. Et Colin, moi je te dis, bonne continuation. Un jour, on sera appelé à se revoir. Merci. Yeah.
Voyager.
colin voyager. Bonsoir. En villa au la colin voyager. 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 Travailler avec Colin, on voulait connaître Colin bien. Alors, non, Colin sont des amis qu'on connaît depuis 1984. Nous en 2024, donc fait les comptes. Nous travaillons là aussi toutes les questions culturelles et nous finissons par créer une association Nukabaï. Alors, objectif à l'association là, ça c'était tenter des bagouk allant d'autres dimensions. Et c'est là, avec Colin, nous créer une soirée chanter Goka, une soirée chanter Veillé, et pour mettre les chanteurs Veillé à l'honneur, mettre chanter Veillé à l'honneur qui est en voie de disparition, surtout pour la gueule là. Donc, c'est on travaille que Colin investit en l'eau à dents. Et ces chantés-là, ça mène nous à Verdun. Pas d'avoir nous découvert qu'on l'a chanté Veillé, qu'a parlé de toute cette guerre française-là, la guerre, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, ni même chanté si l'Algérie. Donc, voilà, nous montons à Verdun avec Colin plusieurs fois. Nous avons rencontré Mère Verdun, M. Samuel Hazard. Nous montons plusieurs voix avec M. Jean-Pierre Lapara, mais à village là, qui là nous dévoilons stèle. Et toutes ces mondes-là, ça soutient l'idée d'ancrer soldats Guadeloupe et Martinique à dans la région à Verdun. Et là, tous les 11 novembre, nous avons monté Verdun. Question à poser au moins, les moments là, tu es chanter et puis bouchio, c'est quoi? C'est quoi? C'est un bout la gueule, c'est ça? Ah oui, c'est bout la gueule. C'était en français, on va dire ça, des onomatopées. Ouais. C'est apparemment, nous pouvons découvrir ça pour d'autre côté. Il semble que c'est toute grande famille en nous. Alors, nous ne pouvons pas supposer, c'est depuis l'esclavage qui créait style vocal là, ça. Nous pouvons penser aussi que ce n'est pas d'avoir été interdit de jouer tambour. Donc, ils ont remplacé Tamboula par Gojayo, par Bouchayo. Donc, tout ça, c'est des suppositions parce que pas ni pour recherche approfondie si ça. Mais ça, nous, on vit dit, c'est quand même. Ça ressemble à son spécialité en nous. Donc, il ne faut pas nous laisser mort. Ça sort d'Afrique, ça, non? Nous, pas cette. Nous, pas cette. Parce que nous pouvons jeter ça en Afrique. Enfin, en tout cas, si forme-là, ça, nous pouvons jeter ça en Afrique. Des Africains même qui applaudissent nous, là, ils attendent nous, qui fait boule la gueule. Donc, si, en cas dit bien, si forme là, ça, nous pouvons entendre ça. On l'a dans nous, j'ai voyagé en Afrique, pour nous, pour qu'on boule la gueule, si forme là, ça. Donc, voilà, donc nous avons essayé de défendre ça et faire en sorte
que ça pas mort quoi. On ne peut pas laisser les chants veillés morts. Donc c'est pour ça que nous créons Soirée Chanter Veillée. Nous sommes toujours dans ce cimetière communal, donc nous venons accompagner Saint-Patus. Voilà, cimetière communal de Saint-Patus où vivait notre ami Colin. Ouais. C'était important, Hugo, de qu'on l'a jeudi aussi pour partager, pour communier, pour dire un dernier au revoir. Ça n'est en partie sens pour moi. C'est pour ça que j'ai quitté tout ça maintenant pour moi faire. Je suis vieux à l'étape de travail, mais j'ai quitté ça parce que là, je suis songé les derniers bah, nous parler, c'est Zaminote pour affaires créoles, c'est les affaires chanter Noël, ritournelle, parce que c'était crié moi pour nous te parler à tout ça. Et puis, nous sommes allés Neuvilly en Argonne, en côté loin de Paris, pour nous te faire chanter Noël. Je t'ai invité moi et puis nous cabaye et c'est les débagailles nous gardent en frontière nous ouais. C'est ça qu'on a créé en français transmission et préservation de ce qu'on a d'essentiel. Ah, vous avez fait partie de nous cabaye aussi? Non, nous cabaye été créé moi pour nous te mettre force nous ensemble. Travailler ensemble ouais. Parce que ça moi laisser chanter Noël là et puis retourner là. Ouais. Mais là quoi ouais monde comme ça qui vient bacolin pour communier, pour dire merci, pour dire au revoir. C'était vraiment en homme exceptionnel. Hein? Oui, je suis constaté, je savais que ni mouna dans veillé, je savais que ni mouna dans l'entraînement, mais j'étais en deçà des réalités. Je savais que l'on était capable, en tout sens qu'on est en famille qui dit à l'air, que l'on avait plusieurs vies. Et dans chaque la vie, hein, il était quand même marché en manière droite, il était capable d'aller fort, il était capable d'aller douce, c'est si long. Mais il était droit à dans ça, il était capable de vivre, à dans l'idée, il était capable. Et puis, nous débattons, nous parlons en dehors de tout ça qui est micro. Et moi, j'ai senti la profondeur de l'homme. Alors, dans cette profondeur justement de l'homme, on sent qu'en lui, c'est une tradition, c'est une culture, c'est le côté créole, c'est le côté potomitan. Qui était derrière tout ça, parce que c'est ça qu'il était défendre. Oui, parce qu'il s'est défendre ça pour Colin. On avait une identité, et donc cette identité, il fallait la défendre, et elle était multiforme. Et c'est pour ça qu'il était sur les différents domaines que l'on sait, le créole, le tambour, le chant. Et je lui disais tout le temps à Colin, et puis voir, on y est. Malgré tant nous chanter, plus qu'il sait encore chanter. Merci, Hugo Drano. Hugo, dis-nous. Un petit bagage avec Colin et toute la bande tout autour du groupe Banza. Il y a longtemps, on faisait probablement les premiers lianages Belé-Groka. Il y a quelques dizaines d'années de cela. Pas bien. Alors, nous savons que c'est Belé ou qu'à défendre, mais y a, avec Colin, il n'y avait pas de frontières. Belé-Groka, c'était la tradition. Nous mettons nous ensemble en créant Mamaï, Martinique et puis Guadeloupe, et puis chanter Guadeloupe, Kapati, nous cabayer la voix, et Mamaï Guadeloupe, Kabatamboa, les chanter Martinique. Parti, même là, nous avons la voix et maman m'a dit qu'il est tombé dans les tambours bel air. C'était le premier lannage. Merci un peu. Alors, un petit mot, journaliste, monsieur Alfred, comment ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, nous passons un moment dans la tristesse aussi. Un bon hommage à Colin Serin pour son départ, hein, pour son aller dans le ciel. Et quoi, nous quoi remercier tous ces gens qui viennent là pour ça. Alors, des images, bien évidemment, donc il y en aura plein. Une belle sélection, donc tu es là pour France Antique Magazine. Ah ben oui, nous faisons depuis le décès de Colin, depuis qu'on a eu l'annonce de la mort de Colin, nous n'avons pas arrêté. Alors, il y aura cet article qui viendra aussi pour montrer que la communauté antillaise était présente à Saint-Patu et à Roisary pour pouvoir honorer sa mémoire et aussi l'accompagner dans sa dernière demeure, qui est que son âme voyage aussi en paix. Colin est un homme, et Colin est un soldat, comme tout le monde dit ici, et Colin apportait, aidait tout le monde, était dans le mouvement. Le soldat, le militant, donc Colin Serin, on a vu, hein, mon cher Alfred, une église qui était presque trop petite. Hein. On dirait qu'elle était vraiment trop petite, parce qu'il y avait comme beaucoup de gens debout, des gens étaient dehors. Et dehors? Et oui, c'est ça qui est formidable. Et encore, nous sommes loin de Paris, il faut qu'on mette ça aussi. Nous sommes dans une petite ville, un petit village dans le 77, dans le 77 Nord. Alors moi, je trouve que c'était quand même un grand, grand hommage, que la communauté a salué son âme d'une belle manière. Merci Alfred. Alors, Nous n'y plusieurs monde qui là, M. Francky. Alors, l'émotion est encore palpable. Hein? Oui, parce que, on ne sait pas comment dire, parce que, vous savez, en créole, parce que c'est ça, ça aurait été aimé, hein, il était aimé parler créole, écrit créole et chanter créole. Mais le problème qu'il y a, c'est un problème pour moi, parce que je ne l'ai pas connu comme je devais le connaître. Et c'est l'année dernière, en juillet, il m'avait appelé. Et il m'a demandé
qu'est-ce que Pierrot il y a à moi? Alors je lui dis, moi, Pierrot c'est mon frère, c'est mon grand frère. Il me regarde, mais Pierrot c'est grand frère, c'est beau frère moi. Il a versé moi. Et puis de 20 ans, c'est à coller avec frère moi. Et moi, pas te savent. Donc c'est la famille. C'est la famille, voilà. Et encore merci à tout le monde qui vient parce que vous avez senti que là, tu as l'amour pour Bougassa. Tu as l'amour parce que Bougassa fait un travail exceptionnel. Faut pas, on ne va pas se voiler la face. Franchement, vous le bravo, monsieur. Là, il est là, il a veillé sur nous. Et le travail là, il a continué. Le travail là, il a continué. Et nous piquer là, le travail là. Parce qu'il faut nous faire. Nous obliger de faire. Merci, merci, Francky. Alors, nous sommes toujours dans ce petit cimetière communal donc de la ville de Saint-Patus où résidait donc notre ami Colin Serin. Donc vous l'aurez vu donc avec les images de Télé Antilles. Merci à Jean-François Saint-Louis. Vraiment, je crois que toute la population, toute la communauté s'est mobilisée pour rendre un grand hommage, pour rendre un dernier hommage à Colin Serin. Et ça a démarré donc depuis ce matin, 11h, de cette chambre funéraire de Ménilmontant, dans le 11e arrondissement. Tout le monde, je crois qu'unanimement, souhaitait saluer donc à sa manière Colin Serin. Oui. Alors, il faut présenter. Hein. Oui, c'est Tico de Kaboska, nom de famille Feller Victorius. Donc, je suis de Basse-Terre, donc je connais Colin depuis petit. Et c'est un ami de longue date. Mais tout le monde connaît l'histoire de l'homme. C'était un homme qui avait le cœur pas comme tout le monde. C'était une exception Colin. Donc c'est pour cela que j'ai composé certaines musiques. Et dernière en date, c'est l'émission Brouillon culturel, le 17 décembre. Ça va me graver à vie parce que c'est avec lui que j'ai fait le dernier. Donc j'ai encore des preuves et des vidéos, mais que je regardais personnellement, peut-être pour la famille, pour entendre encore sa voix, parce que lui, il n'enregistrait pas ses émissions. Et donc, j'ai des archives de Colin Serin. Et le geste qu'il a fait, qui m'a fait plaisir, je lui ai offert deux CD. Le dernier en date, c'est Point Conscience. Et l'autre, c'est Rouleau Bravo. Colin, il a transmis le CD à Mikey, le technicien. Et il a dit, bon, tu connais que vrai, parce que on a encore d'autres CD à bon moins. Donc, ça m'a plu. Parce que j'avais d'autres CD. Il a pu me dire, bah, mais c'est un CD. Mais il a pris son CD. Il m'a dit, non, c'est moi qui l'offre. Et ça m'a touché énormément. Ça, c'était Colin Serin. Voilà. Voilà. On va essayer. Merci. Merci. Alors, on va essayer donc d'avoir Johnny. Johnny. Alors, si on peut me le ramener, ce serait peut-être plus simple. Si on peut me ramener Johnny. Johnny, nous décapons des petits témoignages. Vraiment, ça t'est important que le peuple là, que la communauté t'es là. Et ça y montre nous là, Colin, aujourd'hui là. Donc, ça, c'est. C'est exceptionnel, c'est fort. Donc mettre autant de monde dans une église, à Oiserie tout d'abord, et puis le cimetière, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est un bouclier fort. Oui, c'est ça, on a dit les gens dans la radio, les autres même. On a dit que Colin mettait tout le monde à terre. C'est rare moment pour voir, dès qu'il y a un monde de gros personnalités peut tomber aussi, et bien ça pas que Colin. C'est-à-dire que Colin mettait vraiment tout le monde à terre. C'est-à-dire, si vous voulez, ça qui est belle et qui est intéressant, c'est que, encore dit encore, hein, ça triste qu'il est mort, parce qu'elle ne peut pas attendre à ça, mais en même temps, nous avons par rapport à ça, il fait, pour bon vivant, là, nous avons et quand on dit une idée, il n'y a pas qu'à mentir. Nous, quand même, dans les 77, là, ça veut dire que pour le monde peut déplacer, il faut poser un jour. Il faut nous bien comprendre ça, moi, poser un jour pour moi deviner. Ça, pour nous bien retenir, c'est que le monde qui est déplacé ici, c'est des mondes qui sont qu'à considérer, ça veut dire que tu es qu'à point Colin comme ça était en fait. C'était une base, c'était une racine. Ah oui, Colin, c'est une racine. Et quand on dit, attends, en peu que m'en dis, il y a au moins 22 l'année, près de 20-22 l'année que nous travaillons ensemble ici, quand on travaille avec. Donc, avoir une idée, pas qu'à mentir. Moi, c'est des mondes positifs qu'on s'en y a l'entour. Moi, c'est pour ça que toujours qu'on dit ça. Colin, c'était Colin. C'est pas une idée, pas une idée. Je veux de la fois, nous continuer de travailler là, comme on a dit. Eh bien, nous continuons de travailler là, mais en tout cas, là déjà, nous avons senti en perte. Nous avons senti qu'il y a un manque. Nous avons senti. Ouais, Colin, c'était Colin. Nous ne pouvons pas expliquer ça. Même. Pourtant, il y a un travail qu'a fait. Tu faisais partie également de l'association NKB Noukabaï. Il y a un travail qu'a fait. Il ne faut pas l'adjer. Il était donc l'un des piliers de la tenue veillée, tradition, accompagnement. Ils ont toujours fait travail là et il faut ça continuer, même si Colin n'est pas là encore.
Oui, face à continuer. Nous avons voyé en belle face pour Marie-Georges Gordien, qui est président de l'association la NKB. Nous avons vu le monde qui est alentour, nous avons vu Annette, Nicolas, nous avons vu Willy, nous avons vu le monde qui est en base de l'association, Jacques Faoui, qui est là. C'est des piliers, c'est des gens qui étaient là. Nous avons vu une belle face pour Jocelyn Aubertin, pour compère Aubertin qui n'est pas là. Guadeloupe. Mais c'était des piliers de l'association, la Bernard Altis. Et faut nous continuer de travailler là, nous que continuer parce que devise Aïe, c'était ça en fait. Donc si nous ne continuer, c'est là nous ni l'échec. Et comme nous ne voulons pas l'échec, eh ben, nous que toujours continuer de travailler là. Et puis les gens faut savoir qui est entouré là, c'est les gens qui t'ont dit dans même la règle là, c'est les gens qui ont changé même bite là, c'est les gens qui ont. Voilà, nous ont dit dans même la règle là. Voilà. Et nous avons vu rassembler, en cas bien disant, une force que nous vous avons fait. Et moi personnellement, moi avons vu rassembler Guadeloupe et Martinique. Mais vont que. En cas de Martinique, mais communauté là, elles vont être sincères. Et si on parle de sincères, elles sont sincères. Pas un cas qui est dit à peu près, envie que nous tous vraiment rassemblés, mais vraiment un bel rassemblement propre, mais belle. Elles vont être capables. Alors, justement, ce cœur-là, ce cœur qui composait donc Colin et Somnambule, parce que nous toujours dit, quand on voit Somnambule, derrière il y a Colin, quand on voit Colin, derrière il y a Somnambule. Comment vas-tu faire aujourd'hui donc, pour aborder les choses, pour prendre virage là qu'il n'y a à prendre là, parce que la tradition, il ne faut pas s'amener aujourd'hui là. Alors, vous posez-moi un petit dilemme, mais il faut me répondre, puisque en carrière du Jacques a vraiment qu'il déjà pour veiller là, veiller à ce qu'il nous fait, en vraiment qu'il pour veiller à. Ça veut dire que là, nous avons déjà qui compliqué déjà. Si Jacques a vraiment qu'il a dit dans veiller à ce qu'il taille, moi, on pense en honnête vers vous. En pourquoi ça, puisque binôme, moi, c'était lui. Ça veut dire que je disais. En pourquoi ça. En pourquoi ni l'idée. En cas de dire ça, Kevin, comme il faut nous continuer, donc il faut nous trouver un système. Mais pour l'instant, là, on était plus axé par rapport à VEI et par rapport à l'enterrement. En tout cas, toutes les cérémonies, tout pour moi, tu es présent. Il y avait famille là jusqu'au bout. Et là, ça fait en comptant parce que tout ça que nous tenions à faire, nous avons eu l'impression qu'elle nous fait. Et nous-mêmes, improviser des bitins sur place, qui rentrait complètement dans ce que nous avons fait. Donc, il y a une naturellement, même au niveau de l'organisation, il y a une naturellement qui fait. Et il faut nous rouler avec, mais on pas besoin de faire nous. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Et il faut moins personnellement continuer, puisqu'il fait partie du groupe Somnambule. Alors, ça qui était bien aussi, Somnambule, c'est que, alors aujourd'hui, il n'y a plus notre ami Colin Serré, mais ça qui bien que tous les ans, à pareille époque que nous. Alors, on va en parler. Hein. Faut nous monter en cérémonial, faut nous monter en manifestation, faut nous monter en rendez-vous pour nous venir parler des collins, pour nous venir chanter ma collin, pour nous venir faire un bouladjel ma collin parce que il le méritait. Il le méritait cet homme-là pour toutes ces choses. Alors, on le disait qu'il avait plusieurs vies. Il n'est pas le seul dans ce milieu-là, donc avoir plusieurs vies. Et je pense que cette vie si particulière, il nous a laissé quelque chose de fort et il ne faut pas que cette flamme s'éteigne. Ah ouais, ou j'ai dit tout de suite dans la bam, ça vous pour dire encore. Hein, finalement, vous posez moi une question, mais en même temps, vous avez une réponse que j'ai déjà tout fait. Ça veut dire que tout ça vous dit là, nous sommes obligés de faire avec tout. C'est vrai qu'en dit dans le milieu là, nous n'y en paquet, nous n'y en lovie. Donc, on a dit, moi, on a fait partie des gens qui n'y en lovie. On lovie. Ça veut dire, travail, on s'en chauffe pour l'eau. Hein. Donc, il faut travailler le matin, il faut aller à 4h du matin, il faut aller à 3h. Pour moi commencer pour 4h, 4h30. Donc, il faut nous rouler avec tout ça. Nous n'avons organisation, nous n'avons musique. Et donc, c'est toute cette vie-là que nous avons dit que nous avons. Et il faut nous rouler avec. Et il faut nous affronter aussi les moments comme ça. Donc, avoir les moments comme ça, il faut nous affronter, puisque ça fait partie de la vie. Donc, nous pouvons continuer. Nous pouvons continuer tranquille. Alors, c'est bien qu'on soit avec un sociologue. C'est bien ça. Hein? Donc, oui, c'est ça. Monsieur Pastel, Pierre Pastel, donc, qui est sociologue. Alors, Pierre. Quand on voit ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on a vu dimanche dans cette veillée mortuaire qui lui a été réservée, l'accueil, cette liesse, cette popularité que dégageait notre ami Colin Serin, en grand sociologue que vous êtes, Monsieur Pastel, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet homme et aussi de ce moment que nous avons vécu ensemble ici aujourd'hui? D'abord, il y a cette marque de solidarité que l'on reconnaît chez nos compatriotes.
Là, on ne peut pas dire que nous sommes en dehors de cet esprit où on se dit solidaire des uns et des autres. Et puis, Colin, c'est l'humilité, la détermination, la fermeté. Il fait les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. Vraiment, c'est un exemple pour nous tous. Et nous devrions aussi poursuivre ces actions, mais surtout avoir cet état d'esprit dans lequel il a agi. Alors, Monsieur Parcelle, vous qui avez travaillé avec plein d'artistes, on le sent. Alors, Colin, c'était pas un artiste. Alors, c'était un homme, c'était un militant, c'était un homme engagé, c'était un animateur de radio, c'était donc un défenseur de la tradition, de la langue créole, de sur quoi. Oui. Vous avez des hommes comme ça, on n'en rencontre pas tous les jours. On n'en rencontre pas tous les jours. Et puis, il était multicarte. Ouais. Multicarte et il savait conjuguer les compétences parce qu'il savait s'associer. Beaucoup s'associer. Et ça, c'est une marque spéciale de Colin. Il avait une voix spéciale, il avait un regard spécial, mais toute sa vie, c'était un art. Dans cette science sociale, dont vous êtes un spécialiste, réunir autant de monde, on voit les gens ont du mal à quitter le cimetière. Donc, que retenez-vous, vous particulièrement, le sociologue que vous êtes, de cet événement aujourd'hui? Ça, c'est de la reconnaissance. Et puis surtout, on voit bien que nos compatriotes savent se mettre debout pour accompagner jusqu'au bout, justement, leurs frères. Et ça, c'est très important pour nous. Merci Pierre Parcelle, sociologue, qui a promis de venir nous retrouver donc dans l'émission Les Invités de Mike pour parler un petit peu donc de vous, de vos ouvrages. Et puis on va parler également donc du pays parce qu'on a plein de choses à dire et à partager ensemble, Monsieur Parcelle. D'accord. Bientôt, quand vous le souhaitez, je viendrai vous parler de « Je veux parler à un humain ». C'est mon dernier ouvrage. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes avec Miguel Monlouis. Félicité, Miguel. Oui. Alors, on s'était déjà vu dimanche pour cette veillée ô combien exceptionnelle pour cet hommage qui a été rendu donc à Colin. Oui. Et aujourd'hui, donc, pour cette dernière journée, pour l'accompagner à sa dernière demeure, parce que nous sommes dans ce cimetière communal donc de Saint-Pathus, où il réside. Hein. Mm-hmm. Il repose désormais en paix dans ce cimetière. Mais quand on voit cette effervescence, cette clameur qu'il y a eu dans ce cimetière, ça laisse à penser que Colin serait été quelqu'un vraiment de très exceptionnel. En fait, ce qui compte, c'est que les départs, des fois, reflètent la vie. Et je crois que le départ de Colin depuis dimanche et aujourd'hui à l'église et maintenant au cimetière, reflète tout ce qu'il a été, c'est-à-dire cet homme multiple, cet homme de culture, cet homme des gens pluriels, de Guadeloupe, de Martinique et d'ailleurs, d'ici et d'ailleurs, avec tout ce qu'il y a d'antan et tout ce qu'il y a de maintenant et de demain, parce que je pense que ça, c'est un héritage qu'on a là. Il est important de se rendre compte que les hommes qui ont marqué et qui marqueront, ce sont des hommes, des fois, très simples, comme Colin Serin. Et j'ai envie de dire tout simplement merci en chaille. Alors, juste avant de boucler, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde et qu'il va falloir qu'on quitte les lieux, qu'est-ce que tu as eu à partager avec lui? Comment vous êtes connu avec Colin? Parle-nous un petit peu, une petite anecdote. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, symboliquement, tu sois venu lui marquer donc, ta sympathie et témoigner donc à sa famille, ta sympathie aujourd'hui à Saint-Pathus? Alors, tout simplement parce qu'il y a des gens qui vous tendent la main. Alors, il y a des gens qui vous tendent la main, qui vous tendent le micro. Et Colin et Johnny Gray m'ont tendu le micro. En fait, Colin est arrivé après moi au Feto Caraïbe, à Média Tropical. Ensuite, il y a eu Tropic FM que l'on connaît maintenant. Mais nous avons fait les plus belles émissions. Nous avions été des pionniers dans ce style-là, parce que mettre en littérature des émissions le dimanche et le samedi matin, c'était pas gagné. Quand on a invité des gens comme... Ah, une heure de grande écoute en plus.
une heure de grande écoute et puis de grande écoute avant la messe, parce que c'était, on commençait à 6 heures du matin jusqu'à midi, et lorsqu'on faisait venir des gens comme Taubira, des gens comme Maryse Condé, des gens qu'on ne voyait pas aujourd'hui, il y a par exemple, tout le monde fait des portraits de femmes noires, nous on a initié les portraits de femmes noires en radio, et il y a eu des choses comme ça, puis on a initié des grands pique-niques grâce à la radio et tout cela, on a fait voyager des gens. Et ce qui compte, c'est, ce sont les souvenirs, les anecdotes. On a pleuré en direct à la radio. Il nous est arrivé de pleurer de joie quand une Marie-Josée Pérec gagnait. Et, on s'est engueulé des fois en direct en radio parce que bon, les garçons avaient un problème avec moi. Mon père était capable de créole. Donc, il fallait se battre avec moi pour que je puisse parler créole. On a reçu Mme Sylviane Telchid qui a refusé que je lui fasse son portrait parce que je ne parlais pas créole. Alors, il y a plein d'anecdotes comme ça. Il y a des moments fous. Et puis, il y a des moments comme ceux-là où, quand c'est le dernier, on est obligé d'être là pour soutenir les siens. Le palais créole, le vrai palais créole, il a réussi sa mission auprès de toi, notre ami Colin? Oui, bien sûr qu'il a réussi. Alors moi, je ne parle toujours pas le créole de manière live comme ça, mais je le comprenais déjà. J'étais une très bonne élève parce que je ne faisais jamais de faute en créole, sauf que je n'ai pas le réflexe de le parler. Mais créole là, c'est une belle langue, il faut que nous parlions. Merci Miguel, mon lui félicité donc, pour rendre hommage ici à Saint-Pathus. À connaisseur. Il faut que tu te présentes, ma chère amie. Oui, je suis Annette Nicolas, association Noukabaï. Ouais. Et nous, on est basé à Saint-Denis. Et puis, nous sommes, comment dirais-je, nous sommes, moi, nous sommes inséparables. Nous sommes tout le temps ensemble. Nous sommes on vous a vu, on vous a vu. Donc, je vous voyais régulièrement, très régulièrement ensemble. Oui. Mais Annette, quand on voit, quand on a vécu cette journée ô combien exceptionnelle, alors une journée qui aurait pu être une journée de tristesse, qui aurait pu être une journée dure à accepter, mais quand on voit cette liesse populaire, cette masse populaire venir dire un dernier hommage, un dernier adieu à Colin, vraiment ça laisse des souvenirs mémorables. Eh ben oui, ça c'est sûr, ça c'est même les gens de l'église même disent ils vont jamais voir ça, ils vont jamais voir ça. Ouais. Et puis voilà quoi. Et tout le monde est venu, hein, les mères, moi, en cas qu'on va dans le village, le PC Belleville, Colin était qu'à faire animation avec les bébés, les 0-3 ans. Le maire est venu, s'est déplacé, le maire en personne, il partait passer souvent, hein. Premier adjoint, il est venu. Parce que c'était important pour eux. Quand ils disent non, monsieur Colin, c'était important pour eux. Et puis, c'était une journée de tristesse, mais qui était joyeuse. On était tous en harmonie, c'était belle. Et voilà quoi. On a dit aux voisins, moi, franchement. C'est, voilà. Nous perdons un monument, nous perdons un bouquin exceptionnel. Et encyclopédie, on est reparti. Et nous, on a dit bon voyage, Colin. Alors Colin n'y est plus, parce qu'on en parlait avec Somnambule il y a quelques instants. Oui. Mais il ne faut pas que nous cabaillons. Arrêtez, il faut nous bailler toujours. Eh bien oui, nous cabaillons toujours. Hein. Nous collons parti, mais nous là, nous cabaillons toujours. Ouais. Nous allons essayer de consigner, faire ça, Colin, laisser. Et nous allons continuer, quoi. Dans ça, il commence à faire, nous allons continuer. Alors, j'en parlais également avec Somnambule. Il faut peut-être que tous les ans, nous essayons de monter en événement autour de Colin Serein. Il faudrait qu'on y travaille. Oui. D'ailleurs, Télé Antilles est là. Espace FM peut être mobilisé. Il faudrait qu'on travaille un événement pour que cet événement puisse porter le nom de Colin Serein. Absolument. Et que tous les ans, nous puissions, pour nous, on y a un bel hommage. Ah, ça c'est sûr. Nous avons dit ça plusieurs fois. Hein. Nous avons fait et nous avons fait. Et nous avons dit, monde, restez connectés. Nous avons travaillé en tout à ça qu'on a laissé. Parce que Colin, c'est un monument. Il ne faut pas nous oublier ça. Nous avons marqué journée là, ça. Chaque fois, chaque année, nous avons songé Colin. Songez pour Colin. Merci Annette. Ah ben, au revoir tout le monde et puis on y est serré parce que on est de tout cœur avec toi. On est de tout cœur avec toi. Et de là-haut, je suis sûr qu'il est fier de ce travail. Oui. Il est fier de ce peuple. Il est fier donc de ces communautés qui se sont donné la main pour venir lui rendre aujourd'hui un bel hommage sur ces terres, à Oisery et à Saint-Mathieu. Absolument. Je pense que là, il est content et puis c'est à l'image aïe. Mais ça, tout ça est fait, c'est à l'image à Colin. Joli au signal, mais quand les roses fleurissent.
l'armée mot. Chaque beau matin, moi gagne anti-socio. La vini chanter tous les jours à Bobo Carvé. Chanter, chanter pour moi. Joli oh, signal, mais quand les roses qu'a fleuri, on l'a qu'à charmer mot. Mon calé, pendant nommé mon nom. Mon calé, mon bégué viré. Mon calé, Thank you.